La Chine a officiellement déposé plainte auprès de la Grande-Bretagne et a exhorté les autorités à traduire les responsables en justice. La chef exécutive de Hong Kong, Carrie Lam, a également fermement condamné l'attaque. La police britannique a publié une déclaration sur l'incident, indiquant qu'une enquête était en cours, mais qu'aucune arrestation n'avait eu lieu à ce stade. Le ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté le Royaume-Uni à faire preuve de prudence sur les questions liées à Hong Kong. Nous demandons au Royaume-Uni d'enquêter immédiatement sur l'incident, de faire de son mieux pour arrêter les responsables et les traduire en justice. Le Royaume-Uni doit protéger la sécurité et la dignité de tout le personnel chinois dans le pays. Nous invitons le parti britannique à faire preuve de prudence à l'égard des questions liées à Hong Kong, à cesser d'envoyer des signaux erronés, à cesser d'inciter au chaos et à cesser de s'immiscer dans les affaires intérieures de Hong Kong et de la Chine.